Une première descente du genre, rehaussée par la présence de trois députés et un sénateur du département du Kwilu, à savoir Jean-Aimé Sunda de Inda, Paul Matombe de Mvuchi, Serge Makosso de Madingokai et le vénérable Justin Gomagabou. Accueillis dans la liesse générale par les populations venues de plusieurs localités de la sous-préfecture de Nzambi, l'honorable Gabriel Batifal s'est acquitté d'un devoir parlementaire, celui de rendre compte des conclusions des dernières sessions de l'Assemblée nationale à ses mandants. L'essentiel, c'est d'abord la restitution des travaux de l'Assemblée générale, parce que depuis 2017, nous n'avons pas eu le temps de faire des descentes dans nos différentes situations. Pour une fois que le bureau de l'Assemblée a pensé nous mettre en mission, donc nous sommes venus pour rendre compte à nos mandats. Et je me suis beaucoup plus appesanté sur les derniers travaux, je dis la cinquième session de l'Assemblée. Et puis l'essentiel de la session extraordinaire que nous venons d'avoir avec les amis. Il fallait bien qu'on fasse cette première descente pour enregistrer toutes ces doléances et puis. Puis l'occasion a aussi permis à l'élu du peuple de briller par sa légendaire générosité en octroyant aux populations de Nzambi un impressionnant don constitué de quatre groupes électrogènes distribués aux églises de Chilunga, Kondi, Bondi et aux dispensaires de Chilunga. A noter que cette première descente a concerné un groupe de 6 villages du district de Nzambi. Dans les tout prochains jours, l'honorable Gabriel Batifal s'employera à rencontrer les populations des localités restantes.